reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce matin, vraiment, j'ai envie de vous parler de quelque chose. Une chose dont on ne peut s'en passer. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la musique, le divertissement. Tout ce qu'on a l'habitude de voir à la télévision et un peu partout qui nous font perdre le temps, toutes ces choses qui nous font perdre le temps et qui nous permettent aussi de se relaxer. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'aimerais surtout toucher le cas de la musique moderne, ce que vous dites la musique moderne, ou encore la musique profane. Vraiment, c'est ainsi que j'ai remarqué un truc de ouf que j'aimerais vraiment vous dire et puis vous aussi, vous allez me dire ce que vous en pensez. Vraiment, la tristesse est grande. La déception est très gigantesque. Je suis choqué. J'ai remarqué que la musique profane est comme une belle femme, mais qui a un vilain fond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme que représente la musique là, elle est belle, mais elle a un vilain fond, elle a un vilain côté, elle a un mauvais côté. Elle a un mauvais esprit. C'est comme on dit que la fille elle est belle, mais elle a un vilain caractère. Elle est belle, hein? Mais elle a un vilain caractère. Oh. Son caractère. Tu ne peux pas comprendre. C'est ça qu'est la musique profane. Et la musique profane est un support que le diable utilise afin de transmettre ses messages, afin de véhiculer ses mauvais messages aux gens. Et comme c'est une musique qui intéresse tout le monde, vraiment, les dégâts seront gigantesques, comme je vous l'ai dit. Ça sera hors du commun. Les dégâts sur l'esprit des gens, vraiment, ça va être un choc total. Un grand choc. C'est pourquoi je vous dis que la musique profane ou la musique du monde, c'est comme une belle femme avec un vilain caractère. Vous pouvez tomber sur une musique. Quand vous entendez cette chanson, c'est-à-dire quand vous entendez le son est propre. Mais, quand vous regardez le clip, hein, vous voyez ces trois éléments que je vais citer. Le sexe, la drogue, l'argent. Parfois, le thème de la chanson n'a rien à voir, hein, avec ce qui se passe dans le clip. Vous écoutez le son. Quand vous regardez le clip, vous dites, mais est-ce que ça valait la peine de mettre dans ce clip tous ces éléments que je viens de voir? Est-ce que ça valait vraiment la peine? Je vous dis ça parce que la semaine dernière, je vous ai dit que j'étais occupé, non? J'étais occupé à travailler, j'ai travaillé sur d'autres projets. Et pendant que j'étais de travail, j'ai vu des choses. Donc, c'est ce que j'ai vu, je vais vous raconter ici. Hein? Écoutez-moi bien. J'étais de travailler et à un moment donné, je suis tombé sur une chanson. Je me suis dit que bon, je t'en écoute pour voir ce que c'est parce que je n'avais jamais vu ça auparavant. Je clique, c'est un clip. Mais comme j'étais déjà très occupé, j'ai cliqué sur le clip, ça jouait. Mais moi, je faisais autre chose. J'écoutais la chanson là-haut. Je disais, ouais, aujourd'hui, hein, ouais, les gens sont forts.
Je me disais même, hey Dieu, toi-même tu es forte. Regarde le son est propre. Je disais que vraiment Dieu est fort. Je disais que Dieu était fort. Je dis Dieu est fort. Il est extraordinaire. Et que vraiment, le son est vraiment propre. C'était une chanson en anglais. Je ne comprenais même pas même le son. Tout ce que c'était dans la chanson, moi, mais je ne comprenais rien dedans. Mais c'était juste le son qui avait attiré mon attention. Maintenant, à un moment donné, comme c'était devenu chic là, il a dit, attendez, je vais regarder ce qui se passe avec lui, pas pour voir. C'est même qui même qui chante. Là, moi, c'est qui chante. Je vois, les gars, il dit, hein? Ménage. Quelque chose. Ménage. Il dit, hein? Je regarde bien le clip. Dès que le clip commence, on montre le noir en même temps. C'est-à-dire, ça se passe en blanc noir d'abord à l'introduction. À un moment donné, on présente. On présente quoi? Comment je vais vous expliquer? C'est-à-dire, on présente le c'est-à-dire, on montre une femme, on montre son bassin, le niveau où elle porte slip, quand elle a porté slip. C'est ça, on montre. Et on monte un peu autour. Genre, les gens veulent montrer, les gens veulent mettre en valeur la femme. Mais en faisant quoi? En montrant les choses chez une femme qui peuvent vous faire plaisir. Parce qu'en réalité, c'est ça. Donc, on commençait par le pas, hein, à partir du pied, monter jusqu'à la cuisse. Elle est en slip. Monter jusqu'à là où maintenant il y a les seins. Avant même que je vais voir son visage, j'ai la même vie. Je n'ai pas encore vu le visage de la personne. Et j'ai dit, j'ai commencé à parler de celui-ci. Il dit, mais tiens, ça c'est même quoi? C'est quoi? J'ai regardé le visage de la personne. Elle dit, j'ai dit, vraiment, voici une personne qui a la ressemblance de Dieu comme ça. Voici une personne qui a l'image de Dieu qui est en train de faire des conneries ici. Je regarde. Je me dis, mais Seigneur, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'est un choc. La femme là, c'est comme si Dieu a mal fait de la rendre belle. Elle est le courbe, elle est la forme. Et qu'est-ce qu'elle fait de ça? Elle utilise tout ça, tout ce potentiel matériel pour l'utiliser pour nous séduire. Au travers de quoi? Au travers de ses clips vidéo. Tu entends le son. Le son est bien travaillé. Mais quand tu regardes les images du clip, en tant qu'un vrai croyant, en tant que quelqu'un qui a la crainte de Dieu, ou qui essaie d'avoir la crainte de Dieu, vraiment, quand tu regardes ça, je vous assure, tu as besoin de te débarrasser de tout ça en même temps. C'est-à-dire le son. Puis tout ça en même temps. Donc rapidement, j'ai quitté le plancher. J'ai quitté l'endroit. J'ai dit, mais quoi? Donc aujourd'hui, pour des likes, pour le succès, les gens vont faire de ces choses dans les clips afin que ça puisse vous impressionner, afin que ça puisse impressionner les gens, afin que ça puisse marcher. Mais que sait-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Elle a fait cela parce que peut-être elle veut impressionner tous les garçons de la planète. Elle veut vous avoir derrière elle. Elle veut vous séduire.
Elle veut vous envoûter par son corps extraordinaire, comme les autres le font, parce que ça a commencé il y a très longtemps aussi. Mais le truc, c'est que en le faisant, elle va être un objet de chute pour vous. Un objet de chute pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé si Dieu n'était pas avec moi? Et puis c'était dans une période même où j'ai travaillé intensément. Et puis, je n'avais pas mangé. Je vais regarder la vidéo précédente. Vous allez voir où je vous ai dit que j'ai mangé juste du biscuit. En fait, j'ai travaillé vraiment très dur la semaine dernière. Du lundi jusqu'au dimanche. J'ai travaillé sérieusement et durement. Non. De toute ma vie, je n'ai jamais travaillé comme ça. Ça fait qu'on n'a pas fait beaucoup de vidéos sur la chaîne. Vous avez constaté ça, non? Mais si Dieu permet, avant de répondre, vous allez voir. Mais c'est aussi une bonne situation. Parce que, puisque je n'avais pas mangé, ma tête était sur comment faire pour finir le travail vite avant d'aller manger quelque chose, si c'est possible. Donc, ma tête n'était pas sur des choses bizarres que les gens, des choses bizarres auxquelles les gens peuvent penser s'ils tombaient sur des images. Mais et vous? Et vous? Et vous qui avez mangé de la bonne nourriture là? Et vous? Qu'est-ce qui va se passer avec vous? Ce qui va se passer avec vous, c'est que vous aurez du mal à résister à la tentation si vous n'êtes pas trop fort d'esprit. Parce que c'est aussi ça. Utilisez la musique, utilisez toutes ces choses et faites en sorte que les gens aient du mal à résister à la tentation. C'est ça le danger de la musique profane. Et même dans la musique profane, souvent là, on parle mal de Jésus. C'est-à-dire pour impressionner les gens ressentent comme l'obligation ou bien le sentiment de parler mal de Dieu, de parler mal de Jésus. Et puis, ces gens-là parlent du mal de Jésus. Souvent, ces gens-là insultent Jésus. Ces gens-là peuvent même dire ouvertement qu'eux, ils aiment la vie des débauches. Quand ils disent qu'ils aiment la vie des débauches, comme ça, tout le monde les applaudit. Ils aiment plus de fans. Mais, à quel prix? C'est là, j'ai vu ça, je me suis dit. J'aime bien mes frères et sœurs ici, je suis bonne. Je vais vous parler de ça, afin que vous puissiez quand même vous réveiller. Si les gens ont baissé dans la vie de prière, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un travail qui a commencé depuis là derrière. C'est à cause de ça. Et ça passe aussi par ce que vous voyez. Et ce que vous entendez. Ce que vous écoutez. Le savez-vous? Le diable possède les gens par toutes ces choses. Aujourd'hui, là, les filles s'habillent très mal. Elles s'habillent mal. Et puis elles disent à leurs parents, on va s'habiller mal, bien. D'où tiennent-elles toutes ces informations? Ce sont les clips. Les nouveaux clips. Les soi-disant superstars. Voici ce à quoi nous sommes exposés aujourd'hui. Le savez-vous? Les gens de la musique profane contribuent à la destruction du monde. Les gens de la musique profane contribuent aussi à envoyer les âmes en enfer, à envoyer les âmes sur la mauvaise route, le mauvais chemin. Même dans la vidéo précédente, si Dieu permet, je vais vous montrer un homme qui parlait aux gens. Il leur disait, n'allez pas au concert, n'allez pas à ce concert parce que là-bas, vous allez boire, vous allez. Vous enivrez, vous allez faire du cœur n'importe quoi, vous allez pécher, même mentir. Mais les gens ne l'ont pas écouté. Quelques temps plus tard, on a entendu des tirs là-bas. Et un homme depuis un immeuble, il a tiré là-bas en désordre, tué 50 personnes au moins. Seigneur Jésus, vous voyez le concert, vous voyez le monde, je suis choqué. Souvent, quand vous vous retrouvez même dans ce genre de concert-là, le diable vient.
Voilà, la gloire de Dieu est partie. La gloire de Dieu ne vous suit plus, ne vous suit même pas dans certains endroits. Et ce qui reste là, c'est quoi? C'est le désordre. C'est le diable qui vient de servir vous. Il vient de servir vous. C'est-à-dire que là, toute la bénédiction que vous êtes allé déjà à l'église, ça reste là-bas, puis vous sentez. Vous devenez sale. C'est comme un porc. Vous le lavez, puis il retombe dans la boue encore. Et puis. C'est ce qu'est devenu la musique profane. Les clips. Vous devez vraiment vous en méfier. En tout cas, j'ai vu, je vous explique. Maintenant, à vous de me dire aussi ce que vous en pensez et vos expériences en commentaire. Je vous laisse parler et que ça aide tout le monde ici. Nous sommes là ici en famille, sûr. Et on se bonne pour se donner de vrais conseils, des choses qui vont nous aider à aller de l'avant. C'est pourquoi la chaîne Yon Soubonne a été créée. Vraiment, mes frères et sœurs, écoutez-moi! Écoutez-moi très bien! Et tout ce que je vous dis. Parce que ce que je vous dis ne vient pas de moi. Ha! Ça vient de Dieu. Si vous ne voyez pas Dieu, et vous ne savez pas où il est, moi je suis là. Vous me voyez. Je suis là toujours devant vous. Ouais. Ouais. Je vais toujours vous parler des bonnes choses. Toujours. Que Dieu soit avec nous. Wow, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon bâtiment bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Prenez soin de vous. Et soyez propres au Seigneur.